Coucou, alors me voilà revenue. Ah, je vais baisser un peu, voilà, sur le plan de travail. Avec ceci, carte postale. Voilà. Typique vintage. Je veux partir sur les cartes postales. Le Paris, le vintage. Voilà. Donc, on a ceci. Je vais prendre certainement du livre que je mettrai par-ci, par-là, après. Là, on va prendre vraiment comment je vais placer les éléments et comment j'ai sélectionné. D'accord? Concrètement, la collection d'origine, pas que je vous dise de bêtises, parce que c'est pas celle-ci. Ah. C'est pas du tout ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai sélectionné en plus que je vais vous montrer. La collection d'origine de Toga, c'est celle-ci. Alors, il y a des éléments beaucoup plus. Non, je vois, non, je ne sais même pas en fait. Il ne reste pas des. Non, là, il n'y a pas aucun engrenage qui va être sacrifié. On a celle-ci avec des vieilles photos. Alors, très carte postale ou Paris, voilà. Comme ça. Là, on a une dame, je sais pas. Près d'un fauteuil. Enfin, j'aime beaucoup cette vieille image. On a. Toujours de Toga, hein, le temps des secrets, celle-ci, avec plein de lettres, d'enveloppes, de choses comme ça, j'adore. On a ça, tout simplement postcard. Et ça, si je pouvais éviter d'abîmer, parce que celle-là, elle m'intéresse. Table de multiplication, voilà quoi. Ça serait bien pour mon junk. Non, bon, on va l'enlever en fait. Ah, je vous montre une pochette qu'on enlève. Pour mon junk, j'avais dit retour à l'école de l'ancien temps. Donc voilà, ça c'est les trois d'origine, d'accord? Là-dessus, moi je rajoute, quand on n'a pas, il ne faut pas hésiter à aller chercher dans le vintage et donc on va dire le plus classique et basique. On a celle-ci, il y en a 30-30, je ne sais pas quoi, vintage, hop, avec de l'écriture. On a celle-ci, qui revient un peu avec la photo de la dame, on a enfin, les temps modernes. Début du siècle, l'horloge, le train, tout cet aspect un peu métal vintage. On a ça, du baroque de base. Hein. Derrière, c'était un papier moche. Donc ça vient de Basic. Je les ai mis de côté, hein, les 30-30, mais ça, c'est Basic Travels, je crois. Enfin, voilà, vintage. De nouveau, une. Et ça, c'est de l'action. Hein. C'est pareil, c'est des travel. Du travel, comment ça s'appelle? World's Travel, il s'appelle celui-là, le 30-30. Voilà. Vous voyez, ça revient avec la toga à s'y méprendre. La toga, elle est où la toga? La toga avec. Elle a quelques couleurs plus claires, mais c'est le même style et donc du coup, ça passera aisément. Faut pas hésiter à marier les choses. Alors, ça qui est de je ne sais plus lequel que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est qu'en plus, vous avez des bouts de Paris dessus. Et voilà. L'idée pour moi, c'est que les belles images alternent photos. Je ne sais qui est tombé, mais vous verriez le bazar. Je pose tout là, mais voilà. Photos et basiques. C'est-à-dire que la photo soit sur le dessus ou l'élément sur le dessus. Là, le basique en dessous, puisque d'une manière ou d'une autre, vous voyez, vous avez les trois tailles des photos, du coup, d'une manière ou d'une autre. Comment? Le basique, là, c'est pour mettre une photo dessus. Donc, que ce soit celle du fond, c'est pas grave. On va commencer par ceci. Donc, je rappelle les dimensions. Là, mon matage crème est de 19 sur 13,5. Donc, je vais couper, sélectionner mes papiers et on va faire les montages ensemble avec les fonds. Voilà. Donc, on a déjà les deux premiers fonds. Vous oubliez pas de vintage, enfin les deux premiers, non. Sur ma 30-30, en fait, vu que ça c'est 19 sur 13,5, ça fait donc 18 sur 12,5. Sur ma 30-30, j'arrive à en faire deux. D'accord? Voilà. Après, comment je fais pour coller? Je prends la colle blanche. Et cette colle blanche, c'est pas compliqué. J'attrape au pinceau et je l'étale bien pour qu'elle ne gondole pas. Sachant que c'est papier cartonné hein, quand même. Hein. Là, c'est relativement, c'est pas un petit 30, un petit 15-15 tout léger.
Et voilà. Donc déjà, la première aura ce côté industriel. Enfin, voilà. Ensuite, je sais que ça, celle-là, là, celle qui fait baroque, je la voulais sous le cadre bois. Donc, toujours même dimension. 18 sur 12,5. En fait, c'est vous qui créez l'harmonie et même sans avoir de collection, vous voyez. Bon, alors, c'est plusieurs blocs. 30-30 actions. Oh, tiens, j'en ai mis ça. 30-30 actions, hein, j'avoue. Hein. C'est pas tout dans le même bloc. Mais on peut réussir à faire une uniformité aussi sans la collection. Il suffit, enfin, sans un thème phare d'une collection et tout user d'une collection. Vous pouvez juste compléter. C'est qui c'est qui fait ça? Qui fait ça très bien? V. Sylvie qui fait ça. Qui fait ça très bien. Qui complète avec ses grosses collections avec de l'action. Alors, ça, on complétera aussi les pochettes intérieures de l'accordéon comme ceci. Donc là. Par contre, là, je vais commencer tout de suite parce que ça, je sais que ça sera collé. En prenant, alors, les fameux. Mes fameuses chutes de livres arlequin. Hein. Ça, après, on ne va pas s'amuser spécialement à lire ce que j'ai mis comme chute. Hein. Et voilà. Alors, ça, je vais juste enlever. Voilà le dessus. On vintage aussi. Oh, vintage. Et je vous assure, faire un gros tuto comme ça. Alors, je fais sur le carton parce que c'est pas grave. Alors, pour rappel. Ça, je vais reprendre ce qui reste dans mon pinceau. Pour rappel, là, c'est on va recoller. On va recoller par-dessus, là. Ça. Ça, par contre, je me demande si, vu qu'il y a du poids. Ouais, je vais peut-être. Coller à nouveau avec celle-ci. Il faut que ça prenne bien. Il faut que la colle, elle prenne vraiment, vraiment très, très bien. Puisque, après, c'est un accordéon. Hein. Donc, si ça, ça tient pas, c'est fichu. Voilà. Et voilà. On est bon. Je le centre, sachant qu'il n'est pas pile... la plaque est plus courte quand même que l'album. J'appuie bien pour que ça passe bien. Bon. Rien. Voilà. Comme ça, on est bon. Et ensuite, je retourne en allant. Donc, est-ce que là, je mettrai un fond comme ça? Ou est-ce que je ne commence pas avec les fonds écrits? Non. Si. On va mettre ce fond-là. Donc j'en ai plusieurs, hein, des feuilles comme ça. Donc voilà. Vous inquiétez pas, j'en ai sorti une pour pas commencer à m'envahir de 30-30 que j'ai pas découpé. Donc du coup, ça me met en difficulté. Ça traîne dans mes pattes. Machin. Voilà. Les chutes, je les garde là. Les chutes pourront en servir, vous voyez, sur les petites. La 30-30, elle pourra resservir aisément là. Bon, bah, pas là, ça va faire côte à côte. Mais voilà. Et donc, avec tous ces papiers, pour redonner une uniformité, ça sera ce que je ferai avec les déchirures du livre arlequin. Comment je vais vous dire? Bah là, de toute façon, on va juste enlever le numéro de la page. Ça n'intéresse personne, ça, c'est pas assez. Voilà. Et là, c'est pareil. Du coup, votre photo, elle peut dépasser sur un bout d'écrit, un bout de vieilli, comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est de la perte de temps. Ça,
ça, je vais faire après. On va d'abord faire les grands papiers avant parce que sinon, là, oui, on perd du temps à faire ça. Ça, c'est du fignolage quand tout est fini. Là, ça dépasse, mais je fais exprès que ça... Enfin, ça dépend, ça dépasse. Je fais exprès que ça dépasse, d'accord? Voilà. Ensuite, donc là, on a de l'écrit, on a du moderne, de, voilà, l'accès à la modernité. Hop là, on va pour celle-là. On va commencer déjà par, vous voyez, ces grandes tranches-là. Là, ça, je vais aller sur les magnifiques. Enfin, elles sont toutes magnifiques, mais je vais aller sur la dame. Et où est la dame? Elle est là. Alors, attendez. Parce que ça, ça me brise le cœur, par exemple, de la couper. Littéralement. Donc, on sait que c'est du... Combien j'ai dit? Du 18 sur 12,5. Déjà, il faudrait faut que je la mesure pour qu'elle rentre à peu près dedans. Je préfère encore lui couper les pieds que lui couper la tête. Donc, 18 cm, ça serait quoi? 18, c'est ça. Ça lui coupe la tête. Donc, on va couper au-dessus de sa tête. Voilà. Et après, le restant, en fait, on va le refaire. Voilà. Ça, on va le mettre là. Derrière, vous avez de nouveau ces fameux limites motifs baroques qu'on retrouve là. Hein. Alors, on y va. Et la petite madame, 18 sur... On la recoupera les pieds après. J'ai dit sur 12,5. Voyons ce que ça donne le 12,5. Ça lui coupe presque un petit bout de son minois. Donc on la met bien. Et en fait, on va la mettre en continuité d'une page sur l'autre. Voilà. Sur 12,5. Le restant là pourra servir. Servir pour la petite pochette et tout ça, je vous montrerai. 12,5. Moi, l'idée de couper une image et de la retrouver sur l'autre page ne me choque mais absolument pas. Ça, on garde. Donc là, on a sur 18, on a dit. Donc, je garde la tête et au pire, je lui coupe les pieds. Hein. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je préfère avoir sa tête. Ah oui, ça coupe quand même, ça coupe quand même un bon bout de ses pieds. C'est pas grave. Voilà. Ça, on s'en resservira. Après. Donc, vous voyez, ma petite dame, elle va être complète sur ces deux pages. Ça, c'est trop beau. Voilà. Enfin, peu s'en faut, mais moi, c'est trop beau pour moi. Hein. Moi, c'est vraiment l'image début du siècle. Donc, ben, vous avez compris le concept. Après, je vais couper parce que vous n'avez pas à me regarder couper devant vous. Ça sera toujours les mêmes dimensions. Je vais faire les fonds une fois que j'ai collé cette belle dame. Les fonds, je vous montre. Et voilà. C'était pour vous montrer qu'en fait, même là, avec 4 grandes 30-30, d'une collection dont j'ai pas la continuité, je peux arriver à faire un album aussi très harmonieux. Oh, ce qu'elle est belle cette image. Et les petites photos que j'ai là, celui avec plein de petites photos, je pense que ça sera les petites pochettes limite, avec les petits enfants, tout ça là, les cartes postales de dans le temps et photos de dans le temps. Voilà. Et ça, je vais vous montrer aussi après. Le fameux livre que j'ai acheté, vous savez, à Noz, enfin chez Noz, avec des images du français début du siècle. Là, par exemple, avec cette image-là, j'imagine très bien cette actrice, cette dame, Zigane, ou je ne sais pas, actrice. Donc là, je me vois très bien mettre à côté une affiche Moulin Rouge. Enfin, je vous dis Moulin Rouge, ce que je trouverai qui, pour moi, correspondra. Voilà, donc je continue d'avancer sur les grandes pages. Je reviens avec les modèles. Enfin, je vous montre tout ça et avec les modèles des autres. D'accord? À tout de suite. Voilà, on reprend donc sur ceux-là qui sont des 16 sur 11 et que par contre, j'ai fait se répondre. Là, on a le
cardstock, enfin le truc bloc 30-30 action. Voilà, là on va mettre celui-là avec de l'écriture. Qui va permettre là à remettre encore de la carte postale. Je crois que celui, la toggle est déjà utilisée, donc une autre avec des photos de Paris aussi là. Et là on mettra les photos des petites filles. Voilà. Ah oui, et il y aura lui à décorer aussi. Donc je vous donne des dimensions là. Je vous ai dit 16, 11 et tout ça. Cependant, notez bien que c'est parce que moi j'ai fait un matage en blanc. Enfin en crème. Sinon, voilà. Puis comme ça, on pourra compter le nombre de photos après. Parce que quand je me lance dans ce genre de truc, en fait, c'est plus j'utilise les papiers que je ne calcule ce qui servira ou quoi, comment. Et ça va faire une déjà. Une, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une à glisser, 12. 13, 14. Encore faut-il accepter de sacrifier ça, mais 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Mais il est beau, il est costaud, enfin voilà quoi. Enfin, il est beau, il est costaud. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. Bon, bref, continuons. Je découpe maintenant celle-ci là. Avant de faire. Enfin, je découpe les deux qui vont là. Ah, j'ai oublié de rallumer. Donc là, j'ai mis le papier carte avec les tours Eiffel, des choses comme ça. Là, on met ce petit bonhomme avec le timbre. En fait, c'est le timbre plus que l'aspect carte. Et l'autre, j'en ai découpé une, mais qui ne me plaît pas. Donc, voilà. Ce petit enfant qui là va se retrouver. Là, j'avais découpé ça, mais elle, elle est toute seule. Ça ne me plaît pas. Par contre, ça, ça me plaît plus. La chute au milieu, et donc j'avais dit sur 9. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très carte postale en fait. Moi je m'aperçois que quand je fais Paris, pour moi Paris c'est carte postale. Bon, ça, ça pourra me servir dans autre chose. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Ah, j'ai oublié de la vintageiser. Flûte. Voilà. Et voilà. Vraiment, vous voyez tout ce thème, carte postale, choses comme ça. Là, il me reste ça. Celle-là, là. Ou c'est là, je pense, vous voyez, c'est l'exemple. Dans cette petite pochette, elle, je vais la couper et elle, elle sera dedans. Cette petite image-là. J'aime beaucoup. Voilà. Je coupe, je finis ça. Parce que ça, encore une fois, c'est des dimensions. Et comme ça, je pourrais vous le montrer terminé. Et vous montrer qu'au départ, je suis partie de 3 feuilles toga. Et en faisant des compléments actions dans les mêmes thèmes, j'ai très bien réussi à uniformiser l'album. Voilà, me voilà revenu. Donc là, la couverture avec les chutes, je vais la rhabiller. Hein, avec des chutes que je trouve intéressantes, je veux bien vous... Enfin, je vais faire une vidéo, mais c'est mes chutes. Donc voilà. Là, on a... ça c'est pareil, je vais en rajouter un peu partout pour quand on mette la photo dessus on voit le hormis là. Ça sur les couvertures restera comme ça la dame. Alors là on a voilà comme ceci un bout de la couverture, enfin de la toga de couverture, une magnifique photo. Là on a un bout de... C'est pareil, la toga. C'est avec les chutes, hein. Là, c'est les chutes, mais je les ai coupées. Enfin, je trouve ça très joli aussi, coupé comme ça. Si la personne, elle veut mettre des photos dessus, un petit mot,
du journaling ou je ne sais pas. Bref, ah ben. Non, ça rentrait bien quand je l'ai fait, ça rentre plus là. Voilà. Celle-là qui est la Toga. Celle-là qui est l'Action. Ah, vous voyez, tout se marie entre transport, courrier. Enfin, moi, je trouve ça très début du siècle, quoi. Enfin, voilà. Voilà la présentation de ce petit album. Enfin, qui est conséquent, hein, parce qu'il fait une vingtaine de photos, mais... ah oui, sinon, il n'est pas fini. Il faut que je mette du livre à l'intérieur. Voilà, avec un beau nœud sur le côté. Un nœud avec du ruban. Il y a un fil dedans, donc du coup, le nœud tient. Je vais vous refaire une vidéo couverture. Et enfin, ce que je vais mettre sur la couverture... Et je retournerai les pages où j'ai mis du livre pour casser les fonds basiques. Voilà. Bisous!